the booth! Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc. Le monde du cheval traditionnel, on y a forcément accès, même ceux qui n'assistent pas directement à la Tboreda, parce qu'on en trouve des traces partout dans notre art. Le cheval est très présent dans l'iconographie plastique marocaine. Si l'on se réfère uniquement aux 50 ou 60 dernières années, bien entendu, nous avons en tête un Hassan Glaoui qui en a fait véritablement son icône et qui en a été le chantre, étant donné son enfance et son passé près des chevaux dans la région de Tlouette, dans le fief des Glaoui. Rita Triki, critique d'art. Mais à côté, il y avait également des artistes tels que l'Arbi Bulqadi, Feu Aimé Kakoun, qui ont véritablement dépeint le cheval, qu'il soit réel, fantasmatique, pris dans son mouvement. Plus proche de nous, nous avons également Abdallah Dibaji, qui est issu de El Jadida et qui donc a beaucoup observé la Tboreda et l'a dépeint peinte dans toute sa splendeur et dans son prise, dans son mouvement. Mais on peut aussi, partant du début du XXe siècle, remonter pour ce qui est de la représentation du cheval à certains Ibn Ali Rabati, qui était donc un des premiers peintres figuratifs au Maroc et qui a peint une sortie du sultan, disons dans les années 1920-1930. Donc, pour conclure, le cheval est un élément essentiel. Il est aussi présent dans la décoration, bien que nous ne soyons d'une culture plutôt iconoclaste, le cheval est bien représenté, et notamment dans le bronze, à travers nombreuses sculptures de l'artiste d'origine tunisienne Sahbi, qui lui a véritablement dédié une ode au cheval en le sculptant en bronze dans toutes les tailles. On peut voir d'ailleurs des sculptures dans différents lieux publics de cet artiste-là. Et ce n'est que justice que de voir ce cheval se déployer sous différentes formes plastiques et artistiques dans l'environnement public au Maroc. Mais surtout, quand on pense à l'art et à la Tboreda, la première chose qui nous traverse l'esprit, c'est ça. Chez nous, le cheval est partout. Dans toutes les musiques populaires, dans les expressions du quotidien, dans les mouvements de danse, dans les cérémonies traditionnelles ou modernes. Et surtout, le cavalier et sa monture sont les héros d'innombrables chansons. On a voulu savoir pourquoi. العادو مقدم مصطفى شفيق ريجيون دو دوكالا بالفعل ملي كتسمع الناشيد كتقوى فوق عاودك وكتقوى كتلقى الحرب. Alors, quand on voit la manière avec laquelle les cavaliers se galvanisent entre eux, d'ailleurs, le Mqaddem ou qui joue ce rôle, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les moissonneurs pendant l'abattage, c'est-à-dire des mots d'ordre, des chants, des couplets en général, pour se galvaniser, pour se donner une morale, pour se donner de la force, pour se sentir en groupe et non pas isolé dans son monde. Mustapha Qadiri, professeur d'histoire à l'université de Rabat.
Et ça, on peut le sentir même aussi pendant les guerres. Je veux dire, on a toujours besoin de quelqu'un pour galvaniser le troupe. Et c'est le rôle de l'mqaddim. D'ailleurs, quand on voit l'mqaddim dans Sarba, dans Ahidus, dans Ahwash, dans l'Aïta, dans l'Rgada, dans l'Abida Tarma, il a toujours un rôle de galvanisateur et en même temps un rôle, comment dirais-je, de quelqu'un qui maintient la discipline, la bonne humeur et surtout l'ordre de travail de tout un chacun selon la position dans ce qu'il fait. Et à partir de là, on peut vraiment spéculer sur énormément de choses parce que se galvaniser mutuellement est un élément fondamental. Hein. Les artistes connaissent cela, mais aussi les gens qui font les besognes dures. J'ai en tête comme ça pendant le Corfi à l'époque coloniale, je veux dire, quand on obligeait les gens à faire du travail obligatoire, à faire des routes, etc. Et les gens qui chantent, et les officiers français ou l'espagnol croyaient que les gens étaient contents, alors qu'au fait, ils chantent pour se galvaniser, pour se donner du courage et pour supporter la dureté du travail et du climat. On avait dit aujourd'hui que pendant le Moussem, c'est un moment de festivité, de rencontre, de commerce, de tout ce qu'on veut, mais aussi de festivité. Et bien sûr, quand on a le chiour, l'ayout, qui sont présents aussi avec les cavaliers ou avec les gens de Tborida, on peut imaginer quand même que le cheval et ses cavaliers ne pourraient être que des thèmes par excellence de ces moments-là, parce que justement, c'est là qu'apparaît le mécénat, puisque en général, les gens qui ont des chevaux sont riches, et ce sont les mécènes de l'art. Et donc, du coup, il faut composer des textes, il faut faire l'éloge. Quand nous disons que le chevi a dit sa cava, nous avons dit que quand ربط ما بين الشعبي وما بين الخيل او لا ما بين هاد الشعبي اللي تتقول ليا كان بكري الناس يغنيو تيهضروا على دوك القياد ديال بكري ودخلوا فيها القيد تيدو على العود الدهام على العود الزرق على العود القبري على العود يعني بحال هكا وملي تيكون شي مقدم مميز وهادي في المنطقه ولا كبير ديال القبيله وباردي ولا المهم عنده شي حاجه تيديرها مزيانه في المنطقه ديالو بعدا حنا جهه الدار البيضاء اللي تنعرف ملي حليت عينيا لقيت العائله عندنا عزيز عليهم اغاني شعبيه بيضاويه سيرتو كانت بكري كانت الشيخه التيكه تعودوا عليها الزروقيه كان الماريشال قيبو هادو من الناس اللي كانوا تيهضروا لهم معك ستاتي عبد العزيز فنان مغربي شعبي باحث في التراث تنسولو في التراث كما بزاف الرواد بزاف الناس اللي خدينا من عندهم المعلومة العيطة يعني التراث كلها المغربية مرتبطة مع الخيول لأن الخيول هما اللي كانوا تستعملوا يستعملوا بالقياد يستعملوهم الرقاص اللي هو كيدي الخبر ويجيبها باش يمشي بواحد السرعة اللي هي فائقة او غزوة كتكون تربحات كيجيو كيتغناو بمولاها واللي ربحها لان ما كانوش كاش النقل كان نقل قليل الناس كلهم كانوا كيتنقلوا على الخيول الحروب كان على الخيل هذا واش كان كيستعملوا جات العيطة نسبوها لهاد الابطال اليوم كيحاربوا على الخيل ويعني اللي راكب على عود يعني عنده واحد شخصية كبيرة والعود عنده واحد القيمة وواحد النوع من التراث المغربي كيقولوا ماشي دار فلان كيقولوا العود ديال فلان كتدوز من قدام دار ولا فيرما لما كانش قدامها عود ما كتذكرهاش وهي كان إلا كان
لكان فيرما وقدام عاود كيقولوا هذاك العاود ديال فلان، ما كيقولوش كتسحب ديك الفيرما ديال فلان ولا الدار ديال فلان او العزيب ديال فلان، كيقولوا الفيرما والعاود هذاك العاود راه ديال فلان. دونك هنا الخيل عندهم واحد الفالور كبير وعندهم واحد القيمه الخيل، هادشي علاش اختاروا في العيطه كاع الناس الشجعان كانوا كيركبوا على الخيل. دونك هنا العيطه لنا حتى هي جايه من واحد الحدث اللي هو واقعي مأخوذ من الواقع، ربطوها مع الخيل، هما خوت العيطه والخيل يعني خوت مقاربين، يعني تناخذوا خداو القدوه هو العود ومولاه. والتفكير ديالي لان جيت انا من هنا وحافظ العيطه وعارف التراث، يعني ماشي غير العيطه بوحده اللي عارف، عارف بزاف العيوط اللي هما كاين، العيطه الحوزيه، العيطه الزعريه، العيطه الجبليه، كاين العيطه المرصاويه، كاين بزاف الانماط عندنا في المغرب كلهم كيتجبدوا فيهم الخيول ضروري. سي عبد العزيز ستاتي لو دي سي كو سي فري اي سي مصطفى قادري اي داكور alors j'ai plus rien à ajouter. On a d'abord quand on écoute certains sons بحال ديال الطعرج on a l'impression l'imitation ديال الخيل ديال les chevaux qui courent. Produit avec le soutien du Crédit Agricole du Maroc.